Bonjour à toutes, ici Skyler Axel. J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 24e épisode de Pokémon Soleil. La dernière fois, on avait battu Niffy et on a obtenu le Aquazélite. Là, on s'en va vers la seconde épreuve. Les étrangers sont partis vers le dôme royal sans attaquer. Ah, les similaires se sont enfuis, ils ont tous se tourné de leur raclée après cette affaire arrosée par la force de Daha. Merci, la voix elle est maintenant tiens pour te remercier. Ouh, c'est un petit bonhomme qui me donne ça. Les similaires sont partis en direction du Dôme Royal pour s'entraîner peut-être. D'ailleurs, tu savais qu'on pouvait y disputer des batailles royales, c'est dément. Ah oui, batailles royales. Voilà, Votis. Tu as devant toi la terreur des cours de récré de tout à l'heure. Tremble. Ouais, je veux vraiment trembler. Je vais vraiment trembler. Ok. McBee. Ouais, 25. Dans ce land. Ok, ok. Je sais pas pourquoi j'ai mis McBee niveau 25. Danse flamme. Il y en a un autre. Non, le bouton. Il va changer. Ok. T'es vraiment fortiche pour gagner contre la terreur des cours de récré. On va ça. Ok. C'est parti pour notre petit combat. Je suis un éleveur Hakiri. J'ai hâte des Pokémon avec amour. On va voir ça. Une larve. Ah, fun. Ok. Thank you.
je suis un éleveur en Kerry. Une petite défaite ou deux, c'est pas grave. Sauf que ça va être long, c'est que je leur fasse à soigner les Pokémon. Voilà, danseuse. Tu pourrais me filer un coup de main, t'es fou. Ne point peur, je vais te point de manger. Wesh, wesh, par ici, ça se passe. Eh, hey, mais je te connais, toi, t'es la mieux quand on a croisé à Mélémélé. Les 2 euros, là, c'est des voleurs de Pokémon, tu les connais, toi. J'avais vu de ma vie. Mytho. Je te crois, moi, cette fille. La ville, c'est un endroit d'ici, ça, oui. Il y a des voleurs de Pokémon qui courent les rues et tout, et tout. Oh, assez, j'allais comme ça. Tu prends celui droit de vue. Des voleurs, mais pas trop. Mais, trop pas. C'est du business, tout ça. On a foiré beaucoup à Mélémélé, maintenant on mise tout à Akala. Pas question de passer encore pour des boulets wesh wesh. So boring, you think? Bon bibi. OK. Ah, on manquait de défaire, j'ai grave la somme. Oh, Drie! Oui! Qu'est-ce que t'en dis, Brunos? Tu veux leur faire goûter tes salauds? Fais-toi plaisir, va! Mais que ne pas le ménage derrière. Ça craint grave, on se tire! On laisse tranquille pour cette fois, mais fourrez-vous ça dans le crâne. Si la Team Skull fait un max de bruit, c'est pour marquer les esprits. On vous retient, alors vous n'avez pas intérêt à nous oublier. Ok. Ça va? Tu vas pouvoir rentrer chez toi? Poudri! Ah, il t'a mis le chemin pour rentrer tout seul, tant mieux. En tout cas, t'as vraiment serré sa vie comme un petit prénom. Ah, c'est joli, ma foi. Puis j'aime bien comment tu te bats. Figure-toi! Nous aussi, on traîne souvent dans le coin avec Pognos. On se croise avant. Je suis pour sûr. J'ai une dette envers toi maintenant. Pas vraiment, mais un Québécois. Hein? Brunossi! Ah, et essaye donc de participer à une bataille royale à l'occasion. T'as le niveau pauvre, c'est moi qui te le dis. Même Bruno, c'est d'accord. J'espère que tes Pokémon sont bien entraînés. Quand même, hein?
trop cute, Ashley. Je l'aime trop. Bye bye. Oh, que oui, il était parfaitement entraîné. Et ouais. Ok. Super bonbon. Ok. Il y a ça. Je vais essayer lui. Test plus de 7. Allô là, bienvenue chère princesse. Il fait pic-pic, c'est pas si grave que ça. Je vais quand même prendre une super émotion. Et voilà. Ok. En fait, le principe de la bataille est inspiré des combats menés par les quatre gardiens des îles pour déterminer lequel d'entre eux est le plus fort. Ok. Et bien nous, même on a déjà gagné une bataille royale, quand même. Salut, ça va?
J'adore venir. J'adore voir un plus nul que les bébés. Je vais voir cette affaire-là. Là. Ce n'est que dans la soirée et la lampe du dôme voyant que je vais troubler mes tourments. Allez bien, type zéro. Trompons notre habitude avec des combats futiles. Donc voilà, une espèce de bataille royale, tu l'aurais jamais donné sans moi. Non, hein, jamais. Je t'attendais. C'est qui lui? Je suis le Justin Martyr, héros des enfants, la légende vivante de la bataille royale. Je l'ai. Me, wear a mask. Maman, wear a mask. Professeur Philippe, je suis venu t'enseigner les bords d'un mode d'un combat haut combien traditionnel de l'Oula, j'ai nommé la bataille royale. Que faut-il pour une bataille royale? C'est tout simple. 4 dresseurs, 3 Pokémon par équipe. Dès qu'un dresseur ne peut plus se battre, c'est celui qui a vaincu le plus de Pokémon en liste et qu'il reste le plus de Pokémon doubou déclaré le vainqueur. Le plus simple, c'est encore d'essayer. On va commencer tranquillement avec un Pokémon chacun. Wow, monsieur Royal Mask, ça me donne envie. Je peux essayer moi aussi. Mais pas de problème, toi là, ça va être notre troisième challenger. Et avec moi, ça ferait cadencer pour une bataille royale. Oh là là, j'ai la pression. Découvrir, expérimenter, partir à l'aventure et relever tous les défis. À commencer par la bataille royale. 3, 2, 1, go! Ok. D'habitude, on en a 3, mais là, on en fait un. On a un Pokémon chacun. Un Dragopur. Un Léviathan. Un Saranossif. Je pense qu'il y a un Trachodon, je pense. J'ai battu. Fudge. Alors c'était comment ça fait, non? La bataille royale, c'est du fun sans prise de tête. En plus, il y a même moyen de vaincre des dresseurs plus forts que toi. C'est tout bénéf. Tant d'ardeur au combat, vous m'impressionnez. J'espère que vous serez aussi formidable pendant mon épreuve. Je sais qui
Kiev. Oui. En tout cas, je sais pas. La capitaine Feu. Je vous en veux pas. Que volcanique de l'autre côté de la route 7. Si la flamme du tour des îles brûle en vous, rejoignez-moi au sommet des volcans. Au meilleur Pokémon. Alors, ça avance ces épreuves. Initiez vos forces à celles de vos Pokémon et vous y arriverez les doigts dans le nez. Ça alors, Monsieur Royal Mask, comment vous saviez qu'on est en train de passer des épreuves? Là, je sais, c'est parce qu'on a des amulettes de tour des îles, je parie. En tout cas, moi, j'adore les combats Pokémon, c'est trop bien. Mais sinon, pourquoi toi, t'es là? Parce que Type Zero et moi, on peut compter sur nous-mêmes. C'est pour ne pas l'oublier que je me jette tête baissée dans les arènes. Voilà, bonjour la déprime. Ce type a pas l'air d'avoir beaucoup de potes, ça doit être fun de. Ça doit pas être fun d'être dans sa peau. En tout cas, moi j'ai trouvé ce combat trop bien. Les batailles royales, c'est trop la balle. Et en plus, mon équipe s'est éclatée. Ok, on va sauvegarder ici. On va finir, dans le fond, cet épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis, on va se retrouver bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Bye!